Salut WhatsApp mes poulets, c'est ça. Et tiens, j'ai bugué sur le WhatsApp mes poulets, bon c'est pas grave. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, je sais, je suis encore habillée de la même façon, mais c'est la dernière fois que je suis habillée de la même façon dans les épisodes des Sims. C'est juste que c'est tellement bien que en fait je peux passer une heure et demie dessus, mais j'ai pas envie de faire une heure et demie de vidéo dessus. Donc du coup je fais ça en mode découpé et tout ça. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour de vie avec nos Sims. Et oui. Voilà, une voix de maman. Et toi tu vas être amour avec ta famille, tu vas être famille, comme ça tu vas bien t'occuper de tes enfants. Descendance qui réussit, cette famille va avoir une famille qui réussit. Non, tu vas être chiante et non, cette fille veut fonder un foyer plein d'amour. Ouais. Avec plein de bébés. Tu vas être bienveillante. Tu vas... Oui, goût. C'est ça. Tu vas être proche de ta famille. Parce que je veux qu'elle prenne soin de Daenerys, tu vois ce que je veux dire. Et tu vas être soignée, s'il te plaît. Voilà. Quoique l'aspiration, je peux la mettre cooking, comme ça elle cuisinera. Je préférerais. J'ai envie qu'elle devienne chef. Grand chef. Ou alors grand mixologue. Grand chef, s'il te plaît. Voilà, et tu t'appelleras Maman Daenerys. Attends, la mère de Daenerys. Maman, tu t'appelleras Maman Pop. Par contre, j'avais dit que je lui mettrais des cheveux d'une certaine couleur, donc ses cheveux seront comme ça. C'est Maman Pop. Wouhou. En plus, elle a l'air botoxée à mort de la bouche et tout. Et quand même, tu pourras avoir les yeux qui ressemblent à ta fille, non? Espèce de tricheuse. Au moins un petit peu, quoi. Voilà, comme ça. Une belle maman. Attends, il faut que je fasse le papa, alors. Bah, le papa, il sera blond. Comme ça... Oh, elle est trop mignonne, Daenerys. Non, je vais faire ton papa, mademoiselle. Le papa grand-père, tu sais, oh, dégueulasse là, le vieux crouton avec la femme. Ah, on dirait Tahiti Bob. On dirait Tahiti Bob, c'est horrible. Y a pas une coupe de cheveux plus pétillante? Oh, les filles, j'ai peur, et les garçons aussi, j'ai peur, excusez-moi. J'ai l'habitude de dire les filles, mais je sais pas pourquoi en plus. Détail de la peau, par contre, je vais retirer, ouais. J'ai mis des trucs ignobles. Oh mon dieu! Putain, t'as les visages de beau gosse, genre. Ah, ok, ça fait pas du tout pareil que sur l'image. C'est pas grave, bref, retourne-moi dans Tahiti Bob. Le changement est encore plus choquant, quoi. Alors, déviance, on va le faire déviant. Ennemi public, ceci veut devenir des... veut se faire des ennemis et devenir un criminel célèbre. Génial. Roi des bêtises. Non, veut devenir un criminel célèbre, c'est génial. Tahiti Bob, quoi. Tahiti Bob, dans notre famille. Tahiti Pop! Et il est fou! Ouais. Il est fou, il est... Je vais peut-être pas le faire époux quand même. On va pas faire crac-crac avec un mec qui veut faire... Il est crasseux? Non, Tahiti Bob, il est pas crasseux quand même. Faut pas être non plus... Il est... Il est morose. Il a le sang chaud. Ces cibles ont tendance à se mettre en colère, peuvent énerver d'autres cibles, peuvent aussi se mettre en colère lorsqu'ils sont la cible d'actes malicieux. Oh, ça va être horrible avec Daenerys, ça, les gars. Soit sans chaud, soit morose. Sans chaud, c'est mieux. Et on va mettre... Il y en avait un dernier. Oh, je peux plus... Ah, mais c'est parce que Crasseux est resté. Mais je veux pas que Crasseux reste, il est pas crasseux. C'est un petit bob. Et déteste les enfants, il va être malveillant. Malveillant. Ah, j'hésite entre malveillant et méchant. Oh my god. J'hésite entre malveillant et méchant. Parce qu'il a pas... Enfin, il s'énerve beaucoup, mais... Voilà, il est fou. Attends, est-ce que... C'est un petit peu... Ouais, il est quand même été enfermé plusieurs fois et tout, donc ouais, il est quand même un peu fou. Malveillant et méchant. Un frère. L'enfant, comme ça. Garçon. Fils aléatoire. Honnêtement, on va en prendre un random dans 1, 2, 3. Bon, bah, ce sera celui-là. J'aime pas. Ah, ils sont trop moches, ils sont potelés. Ah, celui-là, il est trop rigolo. Il a une grosse tête comme moi. Bah, je vais prendre lui alors. C'est Seram, le fils. Mère, Tahiti, colocataire. Mais c'est votre père. Et Daenerys, c'est ta soeur. Oh, calmos, monsieur-là. Du coup, toi, tu auras une voix normale, on s'en bat le steak de ta voix. Alors, toi, tu vas être un petit peu laissé. En fait, lui, ça va être l'esclave de la maison. Donc, du coup, tu seras. Déjà, je vais faire artiste parce que je vais user de ton talent pour
peintre extraordinaire, si tu peux faire que t'as ça. J'ai dit de la musique, non, je préfère qu'il soit peintre. Quoique, auteur de best-seller ou peintre? Oh, j'aime bien regarder les peintures qu'ils m'ont fait, comme tout à l'heure, là, dans l'autre épisode, la boîte de thon. J'adore ça, j'adore quand on me dessine des boîtes de thon, c'est tellement profond. Tu vas être joyeux, t'es gentil quand même. Créatif d'abord. Voilà! Bon, les amis, on a fait notre foyer pop. Bref, du coup, on va faire emménager notre famille pop dans sa maison, dans la maison que je vous ai présentée dans le premier épisode. Et c'est parti, allons jouer avec eux. Wouhou! Allez voir votre maison, visitez. On va aller regarder visiter. Alors, c'est une lycéenne avec C de moyenne. Bah, c'est normal, elle a encore jamais rien fait. Tu sais, la mauve, elle vient de pop dans le royaume et tout. Il y a déjà plein de. Enfin, dans le royaume, on va appeler ça comme ça. Dans la zone et tout, elle a déjà plein de devoirs et tout. Pas de chance, quoi. Vas-y, Daenerys, accélère un petit peu. Va voir la maison. Ah, ok, durée. Pff, ok! La fille, on a rien à cirer, quoi. Si vous voulez, au fait, mes Sims d'avant ont laissé quelques morceaux de bouffe si vous avez faim. Hein, on sait jamais. Normalement, toutes vos barres sont au maximum, mais bon, on sait jamais, hein. Non, lui, il est déjà fatigué. Non, mais c'est quoi ces Sims, quoi? Ils viennent de pop et ils sont déjà là. Ah, je suis crevé, vous avez rien fait. Tiens, mais mangez au moins, il va être périmé après. Il périme dans combien de temps? 2h26? 25? Qui a le plus faim? Daenerys, mais évidemment, elle dort. Bon, vas-y, mange. Enfin, Tahiti pop. Mangez. Alors, et pour résumer. Eh ben quoi, Tahiti pop, on s'amuse? Tu cherches pas Bart Simpson? Oh non. Jade. Quoi? Est-ce que je fais ça? J'ai envie de faire une partie de what the fuck. Genre, maintenant qu'il y a Tahiti Pop... Enfin, Tahiti Pop, du coup. J'ai jamais y arriver. Et ça le fait bien, quand même, le personnage, hein. En mode... Quand il marche avec ses grosses chaussures, vas-y, mange ton sandwich. Quoi? T'es inspiré. Attends, l'aura est allumée ou quoi? Oups, pardon. Non, ne va pas ici. Je crois que j'ai activé l'aura. Désactivé l'aura, mais désactive-moi ça. On n'a pas besoin d'être créatif maintenant, quoi. Ah oui, ah merde. Attends, parce que oh, c'est pas cool ça. Je vais vendre la boîte de thon là, parce que ça craint. Attends, bah, mon petit chat, toi qui es amateur d'art, après tu iras admirer ça, tu seras content. Oh, regarde, boîte de thon. Regarde, on va même le garder dans un coin, parce que c'est synonyme de quand on a expulsé l'ancien foyer. Les pauvres chats. Boîte de thon. Commencez 3 toiles en étant inspiré, peindre pendant 5 heures. Bah monsieur, vous êtes fatigué ou pas? Non, vous n'êtes pas fatigué. Bah tiens, on va commencer directement. Allez, tiens. Pas mon petit caca. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est une semaine, j'aime bien. Non, tu peins pendant 5 heures, ok? Je vais multiplier ces bazars là. Non, attends, petit bonhomme. Chevalet, on va en mettre un à côté comme ça. Parce qu'à chaque fois, si c'est pour qu'il me fasse des boîtes de thon et que je me rende pas compte qu'il est terminé, ça craint quoi. C'est bon, il l'a vendu? Combien de ses simflous j'ai gagné? Mince alors, j'ai pas vu, dommage. Et après, tu feras une deuxième toile ici. Grande toile classique, voilà. C'est bien, comme ça tu commences déjà à taffer mon petit chat. Je sais pas pourquoi j'appelle petit chat alors qu'il a un prénom. Poppy. Poppy Pop. Ma petite Daenerys qui dort. Et Tahiti Pop qui vient de dormir. Eh ouais, t'es son père, hein. On a pas dit que t'étais son mari. En plus c'est son lit. Ça fait seulement une heure que tu peins. Oh il est beau. Putain, il a plus de talent que mon ancien Sim quoi, c'est une blague ou quoi? Tu vas recommencer. Paysage, sans Simflouze. Non, parce que t'es inspiré, donc je préfère que tu te serves de ton inspiration. En plus, commencer 3 toiles en étant inspiré. Bah, ouais, enfin bref, c'est pareil. Oh, elles sont trop mignons ces toiles à lui. Les autres, c'est des toiles dégueulasses. Je vais les attendre, je vais les garder sur le côté, comme ça il les vendra à un collectionneur quand ils ont. Oh, mais elles sont trop mignonnes. Oh, mais ça, je vais la garder pour une chambre d'enfant, je crois. Je vais pas la vendre. Oh, elle est trop minouche. Créer une copie. Oh, bah oui, bah, nickel. Elle est où ma copie? Ah! Il doit la peindre la copie? Mince. C'est pas trop ce que je voulais faire. Mettre dans l'inventaire. Poppy a créé une copie de l'objet suivant. Cet objet a été renvoyé. Ah bah non, c'est bon. Eh Poppy, 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 Poppy. Attends. Fatigué? Ah ouais, mon pauvre chat. Je suis désolée, j'étais un petit peu esclavagée. Moi j'avais dit que tu serais l'esclave de la maison, de toute façon, hein, je m'en fous. J'assume entièrement. Bon, pendant qu'il fait dodo, après il ira faire pipi, parce que là c'est un petit peu le cauchemar quoi. Tu iras faire pipi. Il va faire pipi dans combien de temps? 3 heures. Mais vas-y, il va faire pipi maintenant, franchement. Et il s'endormira dans 2 heures, mais ça va, il faut pas 3 heures pour faire pipi. Donc va faire pipi. Bien. Oh, dis, c'est ta mère, hein. C'est pas la mort. En plus, tu fais pipi assis, c'est pas comme si tu étais là. Oh, coucou, regarde mon zizi. Donc voilà. Allez, va dodo, petit. Je vais pas arrêter de dire petit chat, mais c'est parce qu'il est trop mignon avec son petit bedou. Je trouve ça tellement mignon. Les gens qui ont des petits bedous, je trouve ça trop mignon. Bon, ok, dors, c'est ça, dors.
Du coup, il y a deux toits à la crotte. Hein. On va en garder une parce qu'elles sont trop belles. Je vais la mettre... Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça y est, en fait, mon problème, c'est ça. C'est que je vais garder la moitié des toiles et tout. Et du coup, bah, il y aura la moitié des toiles partout. Est-ce que je peux pas supprimer ce truc ignoble, là, dégueulasse? Attends, hop. Est-ce que à la place de cette horreur-là, je peux pas mettre ce tableau-là? Ouais, enfin, ça fait moyen, quand même. Je pense que je mettrai un tableau paysage pour là. Ok, bah, j'ai rien dit. Vas-y. Mademoiselle Daenerys, que faites-vous? Vous glandez. Très bien, mademoiselle. La télé, puis quoi encore, mademoiselle. Si tu veux régner sur le monde, il va falloir que tu te fasses beaucoup d'amis et que tu travailles. Que tu travailles beaucoup. Je suis désolée, mon petit chat, mais il faut que tu travailles. Et toi, Tighty Pop, qu'est-ce que tu fais? T'es mal à l'aise? Qu'est-ce que t'as fait? Environnement néfaste. Déjà? Attends, la plupart des Sims détestent vivre dans la misère et la crasse. Mais c'est une blague ou quoi? Déjà, vous êtes riche, vous êtes dans une maison de riche, et en plus de ça, tu te plains. Non, mais allô, c'est moi qui fais cette maison, tu te calmes? Ah, mais non, mais tout est cassé. En place, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Vas-y, va essuyer. C'est qui est soigné? Ah non, c'est la mère qui aime bien nettoyer. Bah vas-y, ça passera du bon temps. Nettoie, chérie. Hop là. De toute façon, parce que j'aime bien avoir un petit esclave, tu vois. J'aime bien avoir un esclave pour le bricolage, un esclave pour le nettoyage. Et comme ça, c'est tout bénef, quoi. Je pense que mon esclave pour le bricolage, ça va être lui. Mais en fait, j'ai peur que si un jour ça part trop en steak et que je dois le virer du foyer, ben du coup, on n'est plus personne pour faire le bricolage. Du coup, là, j'ai réparé, mais la prochaine fois, je répare, hein, vous en faites pas. Enfin là, j'ai racheté, mais la prochaine fois, je répare. Petite Daenerys. Oh, elle est trop chou. Elle est tellement belle. Franchement, elle a une tête chelou, mais elle est trop belle. En retard pour l'école, mais va à l'école. Oh, t'as pas fait tes devoirs. Mince. Fini tes devoirs. Non, c'est bon, raccroche. Fini tes devoirs, t'as presque fini. Voilà, t'as fini. Ouais, bravo. Attends, mais où tu vas? Allez au lycée, ouais, vas-y, va au lycée. Va. Elle a fini ses devoirs juste à temps, quoi. Manque l'école, mais ça va, il est que 10h, j'ai que 2h de retard, vous vous calmez. Ta fille, trop fautive. Ok, bon ben, toi, t'as même pas fait... Oh, réviser assidûment, bah ouais, bah, révise, parce que là, c'est la misère. Et toi, fais-toi des amis, il faut que tu fasses des soirées. Alors, du coup, je peux pas cliquer sur eux? Ah si, amis de tous, ouais, tu veux être amis de tous. Tout le monde se souvient des Sims aimés, ils sont inoubliables. Trop mignon. Je croyais que j'avais mis fêtarde, mais finalement j'ai pas mis ça en fait. Ouais, non, j'ai pas mis ça, j'avais pas envie que ça fasse tout le temps. Ouais, je me rappelle. Du coup, madame, vous avez fait le ménage, s'il vous plaît? Ouais, c'est bien, tu te sens bien du coup? T'es contente? Je suis sûre qu'elle est contente. Décoration inspirante. Je vais couper ça. Bonnes ondes. Oh, c'est trop mignon. Mais par contre, pourquoi t'as fait la même peinture en deux? T'es chiant. Bon, toi, tu peux pas le vendre à un collectionneur? Ça change rien, je peux le faire, hein. Ça change quelque chose. Vendre à un collectionneur, voilà. Et je vais garder... Oups, pardon. Je vais garder... Attends. Lui, je vais le vendre. C'est la vraie? Ouais, c'est la vraie. Et là, c'est une copie? Ah, je peux créer une copie d'une copie, d'accord, c'est très bien. Elle, j'hésite entre la mettre là, ou là, ou là. Au milieu du salon? Dans la chambre d'un enfant. Quand on aura un enfant, je la mettrai dans la chambre de l'enfant, mais pour l'instant, elle va rester là. Bien à sa place. Mademoiselle Barbie, vous auriez pas de la cuisine à faire? Au lieu de jouer à Big Block là, oh stop hein. Quoi? Froid au milieu. Ah, c'est un mauvais micro-ondes que je vous ai pris? Je sais même plus quel micro-ondes j'ai acheté, attends deux secondes. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pris des trucs à random pour faire une jolie maison. Ah ouais, d'accord, il coûte pas très cher quand même. Je veux un bon micro-ondes s'il vous plaît. Parce que bon, si madame doit cuisiner, bah déjà si on cuisine, madame, on ne fait pas des trucs au micro-ondes hein. C'est bien facile de se plaindre, mais qualité de nourriture, flabilité. Allez, on va prendre tout de schmapple. On va prendre le micro-ondes de Schmappel. Voilà, yes. Voilà, t'es contente? Maintenant, on va faire de la cuisine, s'il te plaît. C'est vraiment trop le cliché des gros machos qui sont là. Ouais, les femmes, elles font la cuisine et le ménage. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. C'est juste que c'est la maman, tu vois. Et l'emblème de la maman, bah, c'est qu'elle est parfaite et elle fait tout ce qu'on a toujours la flemme de faire. Non, c'est juste que j'avais pas. Je voyais mal Tighty Bob. Tighty Pop, il faut que je m'habitue. Faire ça. Et toi, tu sers à rien, mais go faire des aspirations, go être méchant, réaliser des interactions malveillantes ou malicieuses, être apprécié par peu apprécié par deux Sims. Ok, va insulter les gens dans la rue. Les vieilles dames, là. Les vieilles dames, elles détestent être insultées dans la rue. Donc, va embêter celle-ci. Mais, ah, arrête de partir, madame. Présentation grossière. Vas-y, vas-y, vas-y. Va te faire détester. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Mission méchant. On fera un épisode où on essaiera exclusivement de faire toutes ces aspirations et tout, et on se concentrera sur certains sims et tout. Mais lui, j'ai trop envie, tu vois. Genre, lui, ça va être trop drôle. Bon, s'il te plaît, tu te manges ou quoi? Elle t'attend, hein. Enfin, je sais que tu veux pas être gentil, mais...
Stéphanie est tendue en plus. Génial. Daenerys a rencontré Philippe à l'école. Philippe. Mais je voulais voir Philippe. Ouais, ok. Bah, on verra qui c'est Philippe. Invite-le à la maison plus tard. Eh, t'as pas le droit de changer de tenue, toi. Je vais te mettre la même tenue. Oui, Jacques. Salut. Warbazoo. Oh, tu t'es... Oh, on dirait trop le personnage. Alors, comme ça, tu es pas un bêche. Faire les yeux ronds. On va faire les gros yeux. Ah, donner une bonne baffe. Ça se fait grave pas, c'est une mamie. J'ai cliqué dessus, mais... Il va le faire ou elle va le foutre un coup de poing? Non, j'ai pas envie qu'il se frappe une mamie. Vas-y, je retire, c'est trop horrible. Draguer en racontant une blague, non? Mais il l'a fait quand même! T'es sérieux, là? Ah, elle a bien aimé, en plus. C'est quoi ce bordel? Attends, je... Elle a aimé les petites baffes, mais attends, elle le connaît depuis 2 secondes et demie, elle est tendue, et il s'aime pas, et tout. S'excuser, que dalle. Arrête de me gueuler dessus. Ah, il est en colère. Ah, j'ai fait la misère avec le 6. Énervé, on va l'énerver encore plus, elle est déjà tendue là, on va l'énerver un bon coup. On va se battre avec une mamie. Vas-y, sors ce que t'as, personnage, Stéphanie Roux. Trop drôle. Mais je sais pas, enfin non, je suis pas pour me battre avec des femmes quand même. Mince, parce que c'est pas sa première bagarre. J'ai jamais vu ça dans les Sims. Bon bah c'est pas grave hein. J'appuie les cheveux. Non, pluie, bonne raclée, arrache-lui. Ça pousse ta raille de mamie. Elle avait qu'à pas être tendue. Boujing. Elle essaie de me renverser un verre dessus mais y'a plus d'eau. Il est hébété, il peut raconter une blague autodénigrante. Oh vas-y, je vais essayer juste pour voir un peu. Je découvre un peu pendant ce temps-là les autres qui sont dans le mal, tu sais. Attends 2 secondes, monsieur. Les autres ils sont dans le mal, donc je vais... Ah Benny, oh non, il s'endort. Ne me dis pas que tu fais ce que je pense que tu vas faire. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Oh, elle est partie. Elle a pas supporté plus longtemps. Dommage, j'aurais bien aimé, franchement. Rentrer chez soi. Non, tu ne rentres pas chez toi, tu vas aller embêter d'autres personnes. Est-ce que ça a compté au moins? Ouais, être peu apprécié, réaliser 10 interactions malveillantes et malicieuses. Cool, présentation grossière, on va embêter cette femme. Non, attends, on va embêter un homme. Parce que c'est pas juste, on s'est disputé avec une grand-mère et tout, c'était une femme, et en plus de ça, c'était une personne âgée, donc c'est pas du tout dans mon éthique. Heureusement, c'est un sim, mais bon, voilà. On va aller embêter un homme. Vas-y, va embêter l'homme, là, qu'est-ce que tu fais avec la femme? Elle veut pas te parler, de toute façon... Mais il est con ou quoi? Mais avance-toi, il est là! Oh, c'est quoi, m'énerve, Tiny Bob. Tu m'énerves. Vas-y. Va faire une présentation grossière auprès de lui. Comme ça, tu seras peu apprécié de tout le monde. Daenerys, dans ton temps, on ne jouait pas aux jeux vidéo, mademoiselle. Va plutôt te faire des amis, toi. Elle est trop chou. Avoir 3 amis, bon, c'est fait. Se présenter à 10 Sims. Bon, toi aussi, tu vas aller dehors, alors. C'est genre, en fait, elle aurait rattrapé le coup, tu vois. Les autres, ils seront trop méchants et tout. Attends, je vais créer des interactions avant de me retrouver complètement submergée et tout. Je vérifie quand même que leurs besoins sont bien. Tout le monde va bien, tout le monde peut bien faire ses aspirations. Donc toi, monsieur, non, attends, tu es carrément mort, quoi. Le mec, il est décédé. Non. Compétences. Comment capture d'écran? Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Comment est-ce qu'on ouvre ça directement? G. Ok, G. Peintre extraordinaire. Pauvre petit chat, il fait dodo et tout. Oh. Ah. C'est triste. Je vais monter un peu le son dans mes oreilles parce que, hop, j'entends pas grand-chose. Ma petite Daenerys, arrête cette musique insupportable. Tu vas aller te présenter aux gens que ton... Peut-être pas en même temps que Tahiti parce que j'ai trop peur que ça se passe mal, tu vois. Présentation amicale. C'est genre amusante, c'est bien aussi, non? Ou ça la rend joueuse. Et regardez, j'ai déjà créé... Bah, en fait, toutes les maisons du quartier, à part celle-ci, c'est moi qui les ai faites. Ici, c'est un chalet de bois, donc c'est super joli et tout, c'est super mignon. Ici, c'est la maison de mon futur ami. Donc je mettrai mon meilleur ami dans cette maison-là, et vous allez voir, je sais très bien qui je vais faire, en meilleur ami et tout, et vous savez très... Enfin, vous verrez. Et là, ce sera la maison de... je ne sais pas qui. De moi, je pense, tout bêtement. Enfin non, je pense que je vais me mettre plus loin dans le quartier, on ne me verra pas. Pas trop souvent. Et toi, tu vas te présenter à Amusante. Monsieur, ennemi public, réaliser des interactions sociales désagréables. On va pas s'excuser, on va lui crier dessus. Et on va l'énerver. Et on va se moquer de la tenue. C'est trop méchant. Demandez de passer du temps ensemble, ne surtout pas. Jeter une boisson. On va lancer une rumeur grotesque. Quoique, c'est joueur ça? Non, c'est pas ça, joueur. Regarde, t'as le petit démon à côté là, genre, c'est méchant.
Donc on va faire que des trucs méchants, parce qu'on est méchants, on n'est pas gentils, raillés. Voilà, c'est bon, je crois qu'on peut y aller. Et toi, attends, non, toi, mademoiselle, oh, elle est trop belle. C'est pour ça, c'est pas pour rien que je l'appelais beauté. Hein. En plus, elle ressemble à la vraie Emilia Clarke. Genre ça, c'est la version Daenerys pop. Et elle, c'est la version vraie Emilia Clarke. Elle a le même visage, les gars. Et elle s'habille pareil et tout. Elle a le même petit sourire mignon, genre du sourire de souris. Bref, l'actrice de Daenerys, hein, pour ceux qui se demandent qui est Emilia Clarke. Toi, mademoiselle, vous allez cuisiner. Qu'est-ce qui peut augmenter le plus ma compétence 1-1-1-1. Oh, ok, tout est pareil. Voilà, je pense qu'on est bon là. C'est parti. On va regarder la dispute. Vas-y. Je crie dessus. Oh, tu n'aimes pas que je te crie dessus. Une nouvelle interaction, et puis comme ça, on aura 10 sur 10. Eh, arrête de faire tes pompes. Je vais être malicieux, je vais te railler. Oh, c'est trop cruel. Franchement, c'est vraiment le... Mais c'est quand qu'il m'apprécie peu, là, s'il te plaît. Ah, voilà. Voilà, devenir adulte, c'est déjà fait, rejoindre la carrière criminelle. Oh, je savais pas ça. Oui, c'est pour toi, j'ai besoin de te parler avec toi. Vas-y, va-t'en. Comment est-ce qu'on fait pour partir? On l'insulte? Est-ce que ça marche? Non, déconne. Oui, je sais, je suis pas gentil. Oh là là, je suis pas gentil. Bon, ma petite Daenerys, tu parles aux gens? Tu t'es présentée? Oh, je suis une enfant. Bonjour. Mais attends, tu t'es pas présentée? Au revoir, petit chat. Présentation amusante. Mais vas-y, agis là, au lieu de... Oh, vas-y, on s'en fout de ce qu'elle dit. Oh, coucou. Comment ça, c'est mal passé? Attends, t'aimes pas. Blasé, pourquoi? Attends, qu'est-ce que t'as fait, toi? Discussion ennuyante. Oh, en même temps, c'est un enfant. T'as peut-être pas parlé avec un enfant. Quoi que ça se passe mieux? Discuter de la paix dans le monde? Sûrement pas. Suggérer des activités amusantes. Vas-y, fais-toi un ami. Je pense pas que ce soit un ami, là, sur le coup. Et tu lui dis, excusez-moi, madame, je peux être votre ami? Présentation amicale, présentation amicale. Discuter avec Tahiti? Non, surtout pas. Là, en ce moment, il est pas trop de bonne humeur, je crois. Ah non, il est inspiré, il s'en bat les steaks, quoi. Il est même pas fâché. En même temps, ça l'amuse, lui. Misère, misère. Les sims malveillants trouvent leur bonheur dans le malheur des autres. Ouais, bah fais le malheur ailleurs que dans la famille, s'il te plaît, chat. Et laisse ta fille tranquille. En plus, elle va être méchante avec ma fille. Non, mais t'as cru quoi? Blague perso. Ouais, bah non, laisse ma fille tranquille, je t'ai dit. C'est ma petite pop. Et toi, je t'ai dit à te présenter, tu te fous de ma tronche? Bah vas-y, mange. Du coup, ils s'entendent mal. Il va faire le dawa dans toute la famille, je crois, ce mec-là. Je le sens très très mal. Oh, mais c'est quoi cette baraque qui fuit partout? Non, pas réparer, pardon. Je voulais remplacer. On réparera plus tard. Pour l'instant, je suis en train de courir partout. Bon, on va laisser se reposer. Donc, cette première journée était un peu catastrophique. Mais, attends, par contre... Se lancer dans une carrière. On va juste faire ça avant de couper. On va pas tarder à couper, déjà demain, parce que ça fait déjà longtemps que je tourne. Et parce qu'on va créer le meilleur ami de Daenerys qui vivra en face. Alors, on va être criminel. C'est lancé dans une carrière de criminel. Tahiti, Sim pas commode à cet endroit, femme des malfrats. Et désormais, Sim pas commode à cet endroit, femme des malfrats. Il commence mercredi à 17h. Cool. Tout génie criminel a besoin d'un garde du corps patibulaire aux tendances agressives, grossières, ouais non, agressive, incontrôlable. Tahiti gardera les portes et marchera dans les allées sombres. Tenant à l'écart des rivaux quelques simples mots que tu regardes. Prochaine promotion, voleur de babioles. Oh, c'est trop cool, j'ai jamais de ma vie fait un sims criminel. Donc ça va être trop cool. Enfin, un sim. Alors pour cette fin d'épisode, je vais créer le meilleur ami de Daenerys, du typhon Targaryen. Et je vais créer son petit frère qui sera Bart Simpson. Alors le meilleur ami, je vous dis pas encore ce que c'est, vous le verrez à la toute fin. Je suis Bart Simpson, qui ne ressemble pas à Bart Simpson, mais je suis quand même Bart Simpson. Ne vous détrompez pas. Non, il fait super flipper là. On dirait un démon, tu sais, genre. Bangarang! On va l'appeler Bart d'en face. C'est la famille d'en face. On va l'appeler Bart d'en face, ça fait trop genre cité là. Ouais, tu vois la Bart d'en face là. Ouais, celui qui a un t-shirt avec un monstre dessus là. Ouais. Ouais, lui là. Ah, il m'a saoulé! Faculté motrice. Alors, petit Bart, tu es très très chiant. Très sociable. Tu t'en... Petit génie. Non, ça c'est Lisa plutôt. Et je vais pas commencer à faire Lisa, quoi que ça. Enfant turbulent, si peu être joueur et agile. Bah nickel, enfant turbulent, c'est parfait. Et tu es... Pitre. Exactement. C'est tout Bart, le petit Bart Simpson. Voilà, tu es Pitre.
Bon voilà, je viens de terminer de faire la meilleure amie de Daenerys parce que je voulais faire un garçon, mais c'est pas possible avec l'accessoire dont j'ai besoin, donc je vais essayer de voir si sur internet je peux modder des trucs pour essayer de faire les autres. Vous allez comprendre dans 2 secondes. Et donc, voici la nouvelle meilleure amie de Daenerys. Bon, elles vont apprendre à se connaître, hein. Pour l'instant elles se connaissent pas. C'est Rhaegal, le dragon de Daenerys, le vert. Enfin, en fait, il y avait le vert, le... J'aurais bien aimé l'appeler Viserion, mais c'était le dragon orange, et du coup, bah, j'ai pas de couleur orange. Parce qu'en fait, cet accessoire-là de chapeau, et bah, il change toute la couleur. Genre, après, si je fais ça, bah, c'est plus du tout la même meuf. Donc, du coup, j'ai vu ça, et je me suis dit, waouh, on dirait un Draenei et tout, mais d'à côté, on dirait un dragon qui a les cornes derrière et tout. Donc, je me suis dit, en plus, elle a les cornes sur les oreilles et tout, c'est trop stylé. Du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va faire un dragon, hein, ça la transforme en bleu et tout, et genre, comme ça, on va faire genre que c'est une forme humaine de son dragon Rhaegal qui a suivi Daenerys jusque-là. Et s'il y a moyen, je ferai les deux autres. On va dire que Rhaegal, c'est une femelle, du coup, je sais, normalement, ça c'est des mâles, je pense. Mais c'est pas grave, j'ai pas pu faire des mâles parce que, par exemple, si je fais des garçons, c'est parce que. Bon, on va dire que c'est un mâle, on va dire que c'est pas une humaine, elle, c'est une chose, c'est un animal. Parce que regarde, les mâles, ça marche pas, il y a pas le chapeau. J'ai cherché hein, pourtant, mais il y a pas. Genre il y a tout. Sinon j'aurais trop aimé faire un mâle, mais en fait ici ils ont ça, mais c'est trop nul, moi je m'en fous de... Ah non, c'est ça qui change la couleur de peau, je crois. Bah non, même pas. Voilà, Dark Maul, waouh, trop cool, merci. Donc du coup, bah j'ai dû faire une femelle, enfin une femme, une femelle, je sais pas. Bref, en tout cas j'ai fait une dragonne du coup, et elle s'appelle Rhaegal, et c'est la pote de Daenerys, enfin elles vont être potes et tout. Alors du coup, comme trait de caractère, je lui ai mis conservatrice, parce que bon, je lui ai mis nature, conservatrice, parce que je la vois très mal, amour, créativité, nana, c'est un dragon. Donc si je vois pas un dragon faire autre chose, peut-être du sport, mais bon, enfin c'est un peu... Ouais, pourquoi pas du sport en fait. Mais je crois quand même que je vais la faire aimer la nature. Et collectionneuse, voilà. Allez, et là ça, et puis je l'ai mise sur d'elle, parce que bon, c'est un dragon quoi, c'est pas que ça en impose, mais ça en impose beaucoup, et je l'ai mise paresseuse. Voilà, parce qu'un dragon ça dort beaucoup, voilà. Et je l'avais mise gloutonne, il me semble, mais ça, le trait il arrivera que plus tard, donc du coup elle sera gloutonne. Gloutonne ou gourmande, telle est la question. Gloutonne, Cécile réagit de manière plus négative à la faim que les autres teams apprécient toujours manger. Et gourmande, ces sims sont heureux parce qu'ils mangent de la bonne nourriture, sont mal à l'aise alors qu'ils mangent de la nourriture mauvaise. Bah, je préfère gloutonne vu que ça. Enfin voilà, l'animal ça mange beaucoup. C'est stylé parce qu'en plus Rhaegal elle est vachement grande alors ça le fait grave bien. Rhaegal, t'es trop belle! T'es trop belle, j'adore les dragons de toute façon, moi je suis obsédée par ça. Bref, mademoiselle Rhaegal. Alors je vous présente la maison! Par contre, ouais, ça craint que ce soit la nuit là, j'aimerais bien voir le jour s'il vous plaît. Hop là, c'est le matin. Oh, c'est magique. Alors, regardez la maison de loin. Elle ressemble à ça. Bon, il y a quasi rien dedans. Franchement, j'ai juste fait le strict minimum pour avoir une maison en face de chez moi. Et en gros, ce sera la maison qui servira à faire la fête, la teuf sur le toit, parce qu'en fait, Noël approche et j'ai pas pu attendre. Du coup, j'ai commencé à faire une petite décoration de Noël sympatoche avec des potes et tout ici, donc ce serait sympa. Et hop là. Ah merde, attends, pardon, j'ai fait une bêtise. Annulé. Donc voilà, mais je vais faire remonter Rhaegal. Ma petite Rhaegal, viens ici. Viens là. Et tu vas montrer un peu à quoi ressemble la maison. Donc déjà, de l'intérieur... Zoom. Ah, je suis quoi, c'est dehors. Voilà. Donc à l'intérieur, la maison, bon, elle a vraiment rien de spécial et tout. Genre, j'ai mis des salons qui étaient déjà faits et tout. C'était vraiment juste la maison pour dire que voilà. Et pour faire la teuf. Donc du coup, il y a un grand salon. Je vais rajouter une piste de danse et tout. Au-dessus, on a un bureau. Attendez, je vais faire un truc plus magique. Voilà, un bureau ici, où il n'y a quasi rien dessus. Ici, on a la petite chambre de Rhaegal. Et faire une sieste avec Paresse. Oh, c'est génial ça. Oui, vu que je suis un petit dragon, je vais faire une sieste avec Paresse. Et de toute façon, mes aspirations, c'est quoi? C'est bah, glander en fait. C'est bien ça. Bon, bah eux ils dorment déjà. Ok, bon, bah c'est fait. Hein, papa et... Enfin, bébé et maman dorment dans le même lit. Je vous montre un peu les murs. Bon, on s'en fiche, hein. Franchement, il n'y a rien de spécial. Voilà la chambre un petit peu snob de Marge. Elle dormira avec son petit bébé là. Son petit bartounet. Et elle ira dormir là, ma petite Rhaegal. Donc, je vous montre un peu le toit. Parce que voilà quoi. Alors là, il y a un petit truc. Voilà, bon, c'est cool parce que j'aime bien, tu vois. Genre, j'aime bien les petites décorations avec des rennes et tout pour Noël. Et oh la vache, j'ai eu du mal avec cette caméra. Mon dit ch'touk. Et ici, du coup, on peut contempler le bonhomme de neige qui fait de la lumière. Il y en a le sapin. Pardon, je vais la rallumer. Ouais, voilà. On a le sapin de Noël et tout. On a ça. Ça la rend heureuse de faire ça. Appeler quelqu'un au téléphone. Ben, on va appeler Daenerys.
Bah non, je la connais même pas encore. Bah on va aller faire coucou en face et on va faire les liens avec Daenerys dans le prochain épisode. Et donc voici le petit coin de Noël où on va faire un super, super soirée où Régal va inviter blindé de monde. Oui, je sais, c'est pas logique qu'un dragon invite des gens. Faire une sieste avec Paresse. Et du coup, ici, il y a le coin feu et tout, genre j'aime trop. Attends, allumer. Et on racontera des histoires d'horreur au coin du feu. Dépêche-toi, Madame Dragon, là. Hop là, allume ça. Voilà, c'est bien. Et maintenant, fais une sieste avec Paresse. Je veux devoir faire une sieste avec Paresse. Donc c'est parti, on se regarde. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de Let's Play. Cool, sur les Sims. Ciao.